ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Balingua newscast. Making news tonight, floods hit the political capital this morning. Municipal roads have been cut off by rainwater, preventing pedestrians and transporters from free circulation. A day-long ordeal experienced by the population of Yaoundé, as Olivier Bouzique and Thierry Hond will tell us in tonight's newscast. Good evening, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Balingua newscast right here on Spectrum Television. Well, the news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Oni Ladonette, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les habitants de la ville de Yaoundé se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau. La voirie municipale a été coupée par les eaux de pluie, empêchant piétons et automobilistes de circuler. Retour sur le calvaire d'une journée vécue par les populations de la capitale dans ce reportage que signent Olivier Bouzique et Thierry Hon. Voici le lieu dit lac municipal ce matin du Quatre-Avilles à Yaoundé. Une étendue d'eau d'environ 2 mètres de profondeur qui a coupé la circulation dans les deux sens. L'inondation, c'est depuis à partir de 21h la pluie d'hier. Quand je suis arrivé ici, je me dirigeais vers Sam Escal. Arrivé ici, j'ai trouvé l'inondation. Subitement, on ne pouvait plus rien. Et la voie de contournement même n'est pas facile à partir d'ici. Certains automobilistes ont failli y rester. Hier soir, pendant qu'il pleuvait, j'ai essayé de traverser sans me rendre compte parce que comme il n'y a pas l'éclairage ici, donc je me suis retrouvé simplement dans l'eau. Pour me retrouver ici, c'est les enfants qui ont dû me pousser pour que j'arrive là. Et là, le mécanicien est arrivé, c'est totalement foutu là. D'autres ont passé presque toute la journée coincés dans les embouteillages. Nous sommes dépassés. On se dit sûrement il y a une digue qui a lâché ou alors la voix donc, l'ex-délégué du gouvernement, Joseph Timivuna, avait eu à irriguer la ville, se retrouve encore bouché. Équation à risque et difficile à résoudre pour les piétons. Je dois servir les gens. Moi-même, je suis un homme public qui travaille pour l'État. Et il vous arrive que vous devez être au bureau à 8h30. Depuis, je suis bloqué de l'autre côté là-bas. Je n'arrive pas à traverser parce que j'ai peur de l'eau. Le président qui doit frapper la main sur la table parce que ceux qui l'ont élu ne travaillent pas. C'est eux qui doivent travailler. S'ils travaillaient, on n'allait pas avoir des situations comme celle-ci. La dernière fois, vous vous en souvenez, c'était au niveau de la poste centrale. Ça ne traversait pas. Mais on ne trouve pas de solution définitive. L'occasion faisant le larron, un nouveau business est né. Que le taxi ne traverse pas, rien que les camions. Quelqu'un ne peut pas aussi monter sur le camion pour traverser. C'est pour ça que nous sommes obligés d'aider certains Camerounais à traverser. Nous les portons au dos, nous les faisons traverser. Ça dépend de ce que tu peux donner. 200, 300, 100 francs, ça dépend de vous. Mais nous ne forçons personne à nous donner quelque chose. Nous voulons seulement aider les Camerounais à vaquer dans leurs occupations. À l'approche de la saison pluvieuse, c'est une alerte qui inquiète ici. Les canalisations, il faut déboucher les caniveaux là. Les égouts, il faut les déboucher. Ils attendent d'abord qu'il y ait d'abord un incident, qu'il y ait d'abord sinistre avant de résoudre le problème. Et pourtant, les brigades sont bouchées depuis. Il faut qu'on recasse pour refaire le pont normalement ou bien alors qu'on essaie de faire un échangeur sur cet endroit. Des engins municipaux sont descendus sur le site afin de créer une canalisation d'urgence pour ouvrir la circulation. Despite being one of the most lucrative business ventures here in the economic capital of Cameroon, Douala, bike riding is not an activity admired by many. Well, this is due to the ill-treatment met on its riders by some of the passengers. Well, in the words of some bike riders met today in Douala, customers consider us as rebels. Let's listen to this report for more details. Ever since its introduction in Cameroon, commercial bikes have been an economic booster and a major means of road transport in Cameroon. But however, owners and riders of these two-wheeled motor vehicles are still downgraded by those who use their services. Déjà pour moi, le domaine de moto-taxi. To me, in regards to respect, customers do not respect us. Clients respect roadside vendors more than us commercial bike riders. Why? Because they have the concept that we are rebels and wild, but that is not who we are. So now,
The thing that still keeps us with customers is because they haven't found a faster way of transport. Because if they found another way, they wouldn't even take us because they don't just respect us. Yes, some do, but on a scale of 100, 80% respect bike riders. Le secteur moto-taxi. Not all who take a bike do that for the right reasons, as commercial bike riders complain of numerous attacks from customers. I've experienced attacks from clients, but my bike wasn't stolen. Rather, I was robbed of my properties. It was at a seaport. It hasn't been up to 3 weeks. Yes, it was on a Saturday at 10 a.m. Passengers, on the other hand, frown at the dishonest and dating nature of some commercial bike riders. My encounter with commercial bike riders hasn't been all rosy. Most times, when you propose a price and you get to your destination, he will complain of change, and he will take more than the agreed price. Sometimes, they don't even give us our change. Some are not clean. That's what annoys. Some are good. When you explain your problem, they will execute it without any hesitation. The creation of an Uber-like moto taxi service is an initiative applauded by some users as they prefer it to non-organized commercial bike riding. I prefer working with enterprises who offer biking services because I noticed public bike riders are arrogant, boastful, and do not respect security rules. Regardless of all this, the biking sector keeps growing as many youths use this as a source of livelihood. Lutte contre le désordre urbain, le préfet du Fundi siffle la fin de la récréation. Emmanuel Marielle Ndikdeng a réuni hier autorités administratives, municipales et les syndicats pour évaluer la situation et prendre des décisions fortes. Le compte rendu d'Olivier Bouzicu. La situation était devenue critique. Le désordre urbain dans la capitale politique ayant atteint une vitesse de croisière. Le préfet Mfundi a convoqué toutes les parties prenantes, notamment les leaders de la société civile, pour sonner la fin de la récréation. Déjà, nous avons constaté qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'intrus qui n'étaient ni de l'administration, ni des mouvements de syndicats qui s'invitaient sur la voie publique, commençaient à faire des contrôles et exigeaient même des pièces qui ne relevaient pas de leurs compétences. Donc ces contrôles-là sont suspendus et interdits dans le secteur urbain. La prévention, les campagnes de prévention routière vont s'intensifier davantage sur les points de ramassage, dans les agences de voyage. Les responsables des syndicats ont été appelés à prendre leurs responsabilités. Les syndicalistes vont sensibiliser leurs membres pour que l'insécurité qui habite ce secteur, que les auteurs de ces actes de vandalisme ou de criminalité soient dégagés. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde se lève, peut faire la moto, même parfois sans connaître les coins de la ville. Or, ils ont leurs propres intérêts, ce qu'ils cherchent. Et nous avons constaté que beaucoup d'agressions la nuit se font avec les motos. Heureusement qu'il y a certains moto-taximen qui nous aident à débusquer le mauvais grain. Concernant les débits de boissons, l'accent sera mis sur le respect strict des heures de fermeture. Nous sommes au regret parce que nous avons fermé 42 débits de boissons pour motifs divers. Beaucoup plus des activités qui ne relèvent pas de leurs compétences, notamment l'hôtellerie, je ne vais pas m'étendre ici. Donc nous pensons qu'à partir de demain, beaucoup de choses dans le sens de l'amélioration seront visibles. Instruction a été donnée de mettre toutes les résolutions en application dès ce 4 avril 2024. Et à l'issue de cette rencontre, les leaders des différents syndicats espèrent que l'on va justement passer de la parole à l'acte afin de ramener de l'ordre. Nous vous proposons de les écouter au micro d'Olivier Bouzicu et de Thierry Horn.
Vous savez, toutes ces réunions avec le préfet, c'est toujours des promesses. On attend. On croit peut-être que cette fois-ci, ça ne serait pas des simples promesses. Parce que la dernière fois, il était question qu'on devait passer à l'action. Nous sommes encore dans une capitale avec les mototaxis qui ne sont pas immatriculés. Des agressions dans les taxis qui ont repris. Et puis aussi 40% des taximens qui n'ont pas la capacité. Je leur ai posé le problème que les usagers sont en danger. Parce qu'un véhicule, un taxi qui n'a pas la capacité n'est pas assuré. Alors le préfet a pour devoir de protéger la population et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour la lutte contre les transporteurs clandestins. Vous savez que nous les transporteurs, nous sommes presque l'œil du gouvernement parce que nous courons partout et pouvons clairement établir le désordre urbain ou pas dans la ville. Et vous avez remarqué qu'on a essayé, n'est-ce pas, d'interpeller le maire à plusieurs titres sur le désordre urbain remarqué dans certains marchés de la ville. On a interpellé le maire, n'est-ce pas, sur l'entrée fracassante des mototaximens dans le centre urbain. Et il faut bien que ça puisse cesser parce qu'il me semble que le transport doit être réglementé. Le transport, n'est-ce pas, doit être tel que tous les acteurs puissent vivre de l'activité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore un désordre qui a été vraiment adressé et il me semble que les maires, désormais, ont pris langue avec nous pour que davantage nous puissions apporter des solutions à ce problème. Ce qui est de l'impôt libératoire, sincèrement, on ne s'est pas accordé en définitive avec le préfet. Parce qu'il faut dire que le chef de l'État a demandé une réduction de 50% de l'impôt libératoire, qui était déjà à 11 250 francs. Maintenant, c'est 50% de 11 250 francs, c'est une question qu'il faut répondre. Donc, il me semble qu'avec le préfet, n'est-ce pas, même en aparté, on va apporter une solution à ce problème. Retour aux sources. Après plusieurs décennies passées loin de chez lui, le peuple Indik Biakat veut rentrer à la maison et développer ses terres. Afin de faciliter ce projet, le député Samuel Mott a organisé du 29 au 31 mars dernier dans l'Onkam, région du littoral, les rencontres fraternelles Indik Biakat. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. Applaudir avec deux doigts n'aura jamais la même résonance qu'avec 10. C'est ensemble que le peuple Indik Biakat veut construire et développer sa localité. Vraiment, nous sommes très fiers parce que, vu le massif de la population, je suis sûr que nous sommes prêts à rentrer dans nos villages que nous avons abandonnés depuis 1963. Première de réaction, c'est la construction de chefferies et puis la création de nouvelles chefferies pour nous permettre, parce qu'on dit qu'un chef, la communauté a l'image de son chef. Plus les chefs vont être les premiers à rentrer, la communauté est obligée de suivre les chefs. Nous avons toute une diversité d'activités socioculturelles avec des professeurs, des directeurs d'université, les directeurs des universitaires sont venus soutenir dans cette amorce retour. Dans l'optique de pacifier cette zone après les guerres d'indépendance, ces peuples avaient été délocalisés. À l'heure du retour à la maison, il est important de maîtriser sa culture. C'est à la fois la langue qui est un élément important à partir duquel on véhicule nos savoirs endogènes, on véhicule notre culture. C'est également notre système de croyance, toute socioculture à sa manière de voir l'au-delà, de voir les dieux, de voir les esprits. Nous avons parlé un peu de leur histoire, l'histoire du peuple Indik Biakat et d'une manière générale de tout le peuple banen, leur origine, leur migration et comment ils sont arrivés. C'est important pour un aussi grand retour, un aussi grand exil pour un peuple comme celui-là. Les rencontres fraternelles Indik Biakat ont eu lieu du 29 au 31 mars 2024 à Nekem et Iboti. Premièrement, féliciter les initiateurs de ce rassemblement. C'est vite dit de se rassembler et même de partager la nécessité de se rassembler. Mais le faire, c'est une autre histoire. Il se passe que c'est mon jeune frère bien-aimé. Lui et moi, c'est une histoire de on s'échappe tout le temps. Je veux lui se taquiner. Voilà les messieurs qui nous insultent en disant nous avons dit nous avons répondu à quelques autres raisons, c'est lui ici. Même si je loupe d'abord, dit, tu as dit. Et voilà un type, deux minutes après, il dit, il connaît préparer. Docteur, depuis quand dans notre tradition, les hommes préparent? Tu as pris ça où? Donc un conseil, le jour où je vais revenir à la maison, ne voudrons pas manger, j'aurai un doute.
Le projet de construction du centre culturel de Indik Biakat a été présenté. La mission première est d'offrir à la population un espace de rassemblement comme celui que nous avons là, d'échange, de réflexion, de formation sur la culture du peuple Kamb en général et de Indik Biakat en particulier. Nous avons du bois, nous avons les pierres. Comme il est culturel, je souhaiterais qu'on évite les parfums. La rencontre a également été l'occasion de reveler le pagne communautaire de ce peuple. Je suis très émue. Je ne m'attendais pas à une aussi grande mobilisation. Pour la première fois dans l'histoire, les Indik Biakat ont une tenue identitaire. Jeux concours et autres danses traditionnelles ont meublé cette première édition placée sous le thème « Immersion communautaire, facteur de cohésion et de développement ». News out of the country, Turkish nationwide local elections this week dealt Turkish President Recep Tayyip Erdogan's ruling party, AK, with its worst electoral defeat. Well, this is signaling a swift change in the electoral landscape in Turkey. Our partner, The Voice of America, has this report. Turkey's main opposition, CHP party, sweeping gains in nationwide local elections are a significant reversal in the party's fortunes, analysts say, considering President Recep Tayyip Erdogan's re-election last year. After the loss of the May elections for the opposition, everybody thought that, you know, the opposition was in a state of despair. But that doesn't seem to be the case, and it's a really turning point, I think, for Turkish political landscape. Erdogan put himself at the forefront, leading the campaign to retake Istanbul from incumbent mayor Ekrem İmamoğlu. But İmamoğlu extended his control of the city, capturing strongholds of Erdogan's AK party, including the Beyoğlu district, where Erdogan grew up and had a personal power base. Near 70% inflation and 50% interest rates, analysts say, were key factors in AK party's defeat. Analysts say İmamoğlu has portrayed his leadership as inclusive, and analysts say that has been a factor in his success, burnishing his credentials as a potential presidential challenger. Ankara's mayor, Mansur Yavaş of the CHP, also secured a landslide victory. Analysts say the two mayors have managed to win over religious voters, extending their party's reach beyond its staunchly secular base. Experts say this opens the door to success for them in parts of Turkey that have been Erdogan's strongholds, such as Anatolia. These are places that are considered to be religiously conservative, or at least conservative, and CHP has never been successful in those places before. And that's also valid for Central Anatolia. Central Anatolia is usually much more nationalist, much more religiously sensitive, but that for the first time they've been successful. The March 31st local elections have changed Turkey's electoral map, with the CHP controlling many provincial cities for the first time in a generation. Analysts say that, with local mayors having considerable power to shape daily life, the opposition has a major opportunity. CHP has been granted a chance to show how they govern for the next 5 years. So I think it's a huge opportunity for the main opposition to showcase their governing skills in parts of the country where they could never win elections. Analysts say the performance of CHP in these mayoral elections could determine the outcome of the 2028 presidential elections, at a time when Erdogan's party is struggling to tame rampant inflation. They say that prospect appears to be real. Dorian Jones, VOA News, Istanbul.
Sur le continent, au Togo, l'opposition critique vivement le report des élections. En Côte d'Ivoire, pendant ce temps, l'ex-premier ministre Guillaume Soro dit avoir parlé avec le président Alassane Dramane Ouattara. Et puis en Somalie, l'ambassadeur d'Éthiopie a été expulsé. Le résumé de l'actualité africaine de ce jeudi, c'est avec la Voix de l'Amérique. L'opposition togolaise a vivement réagi à l'annonce du report des élections législatives et régionales prévues initialement le 20 avril, alors que l'agitation politique a gagné le pays depuis l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars. L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, en exil depuis 2019, a indiqué jeudi avoir échangé au téléphone avec le président Alassane Ouattara pour saluer le début de la décrispation politique dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le district autonome d'Abidjan, métropole ivoirienne de 13 communes avec plus de 6 millions d'habitants, a annoncé l'interdiction de la mendicité sous toutes ses formes afin de lutter contre le désordre urbain. La Somalie a ordonné jeudi l'expulsion de l'ambassadeur d'Éthiopie et la fermeture de deux consulats de ce pays qu'elle accuse d'interférer dans ses affaires intérieures dans un nouvel épisode de tension entre les deux voisins. Sports for the Promotion of Peaceful and Inclusive Societies is a theme of this year's International Day of Sports for Peace and Development. Commemorated every April 6, tonight's newscast brings you an innovative technology that is used in promoting inclusivity in the world of football. Well, that is the EcoSports technology. These are tools and techniques used to facilitate communication between deaf athletes and trainers. Let's get more of this in this report. Communication is a vital aspect of sports as it enables players and coaches share information, strategies, and even emotions. However, for deaf athletes, this is a major challenge as they often face barriers and discrimination in accessing sports opportunities and facilities. EcoSport is helping to bridge this gap. It's a new way for deaf and hearing impaired children to practice sport. And EcoSport is a project created in relation to a problem we face. I have a cousin who is deaf and found it difficult to play with other children because these other children found it different to play with him since he cannot speak. To show that it is possible, we have developed a method which we call the EcoSport method. This allows tools to be adopted to hearing problems. Two innovative devices have been developed to help facilitate discussion between coaches, athletes and peers. These devices have been tested and adopted by several deaf teams around the world. The Cameroon National Deaf Team Inclusive. In their participation at the World Deaf World Cup in Malaysia, the team made use of some of these devices to help up their game against France and Iran. We have innovated tools such as the connected watch and image cards. The image cards have different messages, like fair play message used when a child tackles a teammate. The most innovated item is a connected watch, which helps you call the child like you will address them by their name. This watch vibrates through a transmitter when it's pressed. The watch vibrates and the child is taught that every time the watch vibrates, he has to look at the coach, who will in turn give the child directions or instructions. This is an innovative approach which helps one work better with hearing impaired children and be able to give them same support as any other child. The project exceeds football as it has been used in beach soccer and cardio golf. We started the project with football, added beach soccer. We recently included cardio golf. This is an initiative born by Cameroonian residents in Belgium. EcoSport has also been recognized by the Belgian Football Union, receiving the Come Together Awards. Now that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful time in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Rony Ladonette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Spectrum Télévision. Au revoir.